Identité. Vous vous appelez comment Lucie Le Pavec. Vous avez quel âge J'ai 30 ans. Né le Le 15 mars 1976. Où À Saint-Brieuc. Qu'est-ce que vous faites Je suis journaliste. Comment vous vous appelez Émilie Letellier. Vous habitez où 12, rue de l'arrivée à Franceville. Vous travaillez Non, je suis étudiante. Qui est-ce C'est -ce est une amie. Elle habite ici Oui. Elle est étrangère Oui, elle est japonaise. Elle parle français Non, pas encore. Elle s'appelle comment Noriko Omazi. Qu'est-ce qu'elle fait Elle est étudiante. Elle a quel âge Elle a 20 ans. Non Petit. Prénom ⁇ Adrien. Âge ⁇ 29 ans. Date de naissance ⁇ 12 octobre 1975. Profession ⁇ Informaticien. Adresse de l'employeur 13 rue Fontaine à Toulouse. Vous vous appelez comment Hugo Mathurin. Vous habitez où 5 rue Gauguin à Marseille. Vous avez quel âge J'ai 27 ans. Où est-ce que vous travaillez 50 rue Pasteur Vocabulaire 1. Les nombres de 1 à 69. A. Écoutez et répétez. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26 27 28 29 30 31 32 40 41 42 50 51 52 60 61 soixante-deux, soixante-trois, soixante-quatre, soixante-cinq, soixante-six, soixante-sept, soixante-huit, soixante-neuf. Grammaire un, les pronoms sujets « je, vous, il. Où elle A. Ah, écoutez et observez. Vous êtes étudiante Oui, je suis étudiante. Vous habitez où J'habite à Paris. Vous avez quel âge J'ai 20 ans. Il s'appelle comment Il s'appelle Hugo. Il est étudiant Non, il est journaliste. Où est-ce qu'il travaille 50, rue Pasteur. Il habite où 5 rue Gauguin. Il a quel âge 27 ans. L'adjectif masculin et féminin. B. Observer et écouter. Il est belge. Elle est belge. Il est russe. Elle est russe. Il est allemand. Elle est allemande. Il est anglais elle est anglaise. Phonétique. L'intonation, question, réponse. Reconnaître des intonations différentes. A. Écouter, observer les intonations différentes. Exemple. 1. Vous êtes française 2. Comment vous vous appelez 3. Je suis française. B. Écoutez deux fois chaque phrase. Notez l'intonation avec une flèche dans la bonne colonne. 1. Tu travailles. 2. Qu'est-ce que vous faites 3. Je m'appelle Léa Maturin. 4. Où est-ce que vous habitez? 5. Vous vous appelez comment? 6. Je ne travaille pas. 7. J'ai 20 ans. 8. Tu t'appelles comment? 9. Qui est-ce? 10. Vous êtes musicienne? 11. Comment elle s'appelle? 12. Je suis secrétaire. 13. Vous avez quel âge? 14. J'habite à Strasbourg. 15. Vous habitez Paris? 16. Tu habites où? 17. Quelle est votre profession? C. Observez les intonations possibles pour la question et la réponse. Répétez selon le modèle. Exemple: 1. Vous êtes française? la la 2 la, la. Comment vous vous appelez la 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 3 la, la, la. Je suis française la 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 1 Tu travailles 2 Qu'est-ce que vous faites? 3. Je m'appelle Léa Mathurin. 4. Où est-ce que vous habitez 5. Vous vous appelez comment 6. Je ne travaille pas. 7. J'ai 20 ans. 8. Tu t'appelles comment 9. Qui est-ce? 10. Vous êtes musicienne? 11. Comment elle s'appelle? 12. Je suis secrétaire. 13. Vous avez quel âge? 14. J'habite à Strasbourg. 15. Vous habitez Paris? 16. Tu habites où? 17. Quelle est votre profession? Transformer des intonations. A. Ah. Écouter. Transformer en question. Exemple. Il habite Paris. Il habite Paris? 1. Il est étudiant. Il est étudiant. 2. Il a 20 ans. Il a 20 ans. 3. Elle parle français. Elle parle français. 4. Elle est étudiante en économie. Elle est étudiante en économie? Écoutez la solution et répétez. 1. Il est étudiant. Il est étudiant? 2. Il a 20 ans. Il a 20 ans? 3. Elle parle français. Elle parle français? 4. Elle est étudiante en économie. Elle est étudiante en économie? Écoutez, transformez en réponse. Exemple. Elle est italienne. Elle est italienne. 1. Lucie Le Pavec est étudiante. Lucie Le Pavec est étudiante. 2. Il travaille à Strasbourg. Il travaille à Strasbourg. 3. Il voyage souvent. Il voyage souvent. 4. Les Français sont sympathiques. Les Français sont sympathiques. Écoutez la solution répété 1 lucie le pavec est étudiante lucie le pavec est étudiante 2 il travaille à strasbourg il travaille à Strasbourg 3 il voyage souvent il voyage souvent 4. Les Français sont sympathiques Les Français sont sympathiques. Écoutez la conversation téléphonique au service d'abonnement du magazine Vie Pratique en France et saisissez les données sur l'écran. Allô, bonjour. Je m'abonne pour 12 numéros de Vie Pratique en France. D'accord. Comment vous vous appelez Sylvie Manon. M-A-N-O-N. -N. Vous habitez où 12 rue de l'Arrivée à Lyon. Le code postal 69 025. Téléphone 01 49 21 36 08. Le numéro de compte bancaire 54 23 35 Y. Né le Le 25 12 68. Où À Toulouse. Vous avez quel âge J'ai trente-huit ans. Vous êtes française Oui, je suis française. Merci. Au revoir. En poème ou en chanson. Date de naissance Le premier mois de l'année. Donc janvier. Si vous voulez. Domicile. Douze rue de l'Arrivée. Quatorze place de l'Église. Comment ça Je ne comprends pas les deux à la fois Ville ou campagne, ça m'est égal. Oui, mais moi j'écris quoi Douze rue de l'arrivée Ça vous va Célibataire Marié Célibataire hier, marié demain, veuf. Pourquoi pas Monsieur, soyez sérieux. Alors vous écrivez marié Je reprends. Profession Je ne sais pas. Comment ça vous ne savez pas vous êtes bien médecin, avocat, informaticien, sans profession Pas du tout. Alors quoi Médecin en juin, boulanger en juillet, comédien toute l'année. Oh là là, ça ne m'étonne pas.